Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur FS17 pour notre série en reprise d'une ferme, désolé. Aujourd'hui on va... Alors ce champ est à nous, on va passer le cultivateur avec le Lesberg, avec notre favori 115, je crois 150 chevaux. Voilà. On va voir derrière. Voilà. C'est vrai que voilà. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on commence. Hein, ça va être l'épisode 3, je me semble, de notre série. Avec notre joli petit tracteur. Donc j'ai vu qu'il nous manquait pas mal d'argent donc pour le valet de ferme. Et donc pour l'instant je suis en train de réfléchir pour le tracteur. Est-ce que vous voulez un 1455? Moi je pensais un Fiat Agri qui serait bon bien. Voilà. Donc voilà, je réfléchissais sur l'achat des véhicules pour valet ferme, pour les outils de valet ferme. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Je pense que pour ce que j'ai calculé, il faut 120 000 euros, voire un petit peu plus, 150 000. Pour investir dans le matériel de valet de ferme. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Et sachant qu'on est à 74 000. Donc c'est vrai que l'argent manque un petit peu. Et là je vais passer le cultivateur et tout, etc. Non. Oui, c'est vrai que... parce que là, il fait 5 degrés. Je vais aérer un peu le terrain. Pour faire sécher un petit peu. Il faut savoir que ma partie perso, je voulais la faire ici, sur cette map. Et du coup, sur la petite limousine. Voilà, alors j'ai eu pas mal des petits problèmes tout à l'heure. Ça s'est bien passé. Ah, mon portable qui se met en veille quand il ne faut pas. On est déjà à 3 minutes, donc aujourd'hui on va faire que du cultivateur. Hein. De toute façon, ça va être ça pendant un bon petit moment. Hein, le temps que... Parce que là, il faut qu'on ait que saison de mode. Donc, de toute façon, je vais le mettre sur 3 jours. Je vais faire quelques champs. Je vais faire quelques champs, on verra bien. Donc là, je vais peut-être moissonner du blé. Du blé, j'ai trouvé un autre champ un peu plus bas, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Et je pense faire du colza sur ce champ. Voilà, donc... j'adore le fen. Alors, j'aime bien fen, j'aime bien parce que j'ai jamais vu de fen. Je sais que par chez moi, ça va être du Renault, des vieux tacos, on va dire, mais qui tiennent la route. Donc, j'arrive de voir des dots. Il y a un seul paysan qui a un Kubota. Voilà. Il y a aussi Massé. Massé, je le vois plus trop. Je le vois plus trop, le Massé. Il était tout neuf. Je sais pas si c'était un modèle... comment dire, d'essai. Et merci... merci portable. Hein, pour la vidéo de 15 minutes.
Je le ferai en off, ou non, je le ferai en live. Oui, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui savent pas, je fais des lives pour les petits nouveaux et tout. Les lives, c'est les vendredis, normalement, quand ça passe bien. Faut savoir que ce vendredi, normalement, le vendredi qui est passé, vous devez y avoir un live. Hein. Vous avez eu quoi? 16 minutes de live et coupé. Parce que, à cause de mon ordinateur, hein, et j'aime pas faire attendre mes abonnés qu'ils regardent le fameux live de 2 heures. Puis au moins ça change, même si je fais pas de la bonne qualité, hein, mais au moins ça change, je peux répondre à vos questions, poser des questions avec vous, tout machiner. Désolé, j'ai eu ma souris à côté du portable, donc j'ai touché à peine le portable, ça a touché la souris avec. Donc voilà, donc là on n'est pas loin de la ferme 4, hein, qui est la ferme des qui est la ferme de l'ETA, enfin, plutôt l'ETA, hein. Voilà. Moi j'aime bien jouer avec le season mode et tout. Au début j'étais un petit peu sceptique. Maintenant je l'aime bien. Faut savoir que sur la limousine c'est pareil, hein. Sauf c'est la limousine c'est différent. J'ai un mode pour que les vaches elles mangent l'herbe et que ça considère dans le tableau des animaux que ça considère que les vaches par exemple mangent bien de l'herbe etc. Mais il faut quand même les nourrir quand même, hein, faut leur donner de l'eau etc. Donc c'est pour ça que quand je suis en train d'investir sur tout, il y a plein de choses qu'il faut. Hein. Désolé. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le season mode pour la petite limousine. Vous avez. Oh, c'est plus pour la limousine, hein. C'était dédié. Hein. Faut savoir que la season mode pour la limousine, c'était pour les autres animaux. Hein. Le graze, le graving, je sais pas quoi, pour que les animaux mangent. Alors là, je ferai peut-être une fourrière, c'est sûr. C'était pour aussi pour que j'avais l'autre version, mais bon, j'ai pris ces chi. On verra bien. Vous m'avez compris. Donc, pas mal de choses. Pareil qu'on va se faire chier avec les unités téléphoniques, électriques, on voulait. À mon avis, c'est électrique. Hein. Je vous dirai dans les commentaires si c'est électrique ou téléphonique. À mon avis, c'est électrique pour moi. Parce que j'ai jamais vu ce type de ligne. Je sais qu'il y en a chez moi. Par contre, ouais, le modeur, il devrait. Il a bien fait sa map, hein, mais quand même pas mal de trucs. Voilà, je tire au droit pour être bien. Ouais, bah, tirer au droit. J'aurais pu mettre le GPS. Bon. On va dire que tous les champs sont pas à moi, même si. Voilà, on va dire que celui-là à côté pas à moi, même si. Pour la map est à moi, même si la map a dit c'est à moi. On peut passer à travers. Okay. Donc voilà. Donc pour l'investissement des vaches, on va attendre un tout petit peu. Vous savez qu'on aura 2 vaches, etc. Vous... Mais après, l'exploitation, elle va grandir petit à petit. Là, sur l'autre partie, je vais faire la même chose qu'ici. Hein. Je veux dire, c'est la même chose qu'ici. On a quand même pas mal torché le champ quand même. On parle, mais on est presque à la moitié du champ. Bon, les petits, voilà. Donc voilà. Ah, les poteaux électriques, hein. Les poteaux.
Sachant que j'ai d'autres champs à faire et tout, c'est pas mal de boulot. Bah, sur l'autre, j'ai encore plus de champs à faire et tout. Là, on va dire que c'est des champs que j'ai choisis, voilà. J'ai choisi parce que je voulais que ce soit un petit peu loin et pas trop loin non plus, hein. Et déjà celle de tracteur. On va voir si on peut passer à travers. Bon, même j'ai même pas touché le machin que j'ai déjà une trace par terre. Et j'ai même pas touché le sol. Alors, est-ce qu'ils sont physiques ou non physiques? Ils sont pas physiques. Ça tombe bien. Pour la moissonneuse, ça ira encore mieux. Parce que je déteste de faire le tour des poteaux, mais bon, des fois on est obligé. Certainement, j'étais obligé. Mais là, ça tombe bien. Bon, ça fait pas réel, mais bon, j'ai oublié un petit bout. Ah, purée, saloperie de. Oula, désolé pour le petit coup de, là, le gros coup de lag. Voilà. Bon, j'ai des coups de lag, hein. C'est pas. Là, je suis fluide. Des fois, je suis pas fluide. Bon. Pourtant, j'en code pas aussi. Et voilà. Donc j'ai à peu près le même matos, hein, sauf que j'ai pas le semoir. Le semoir, j'ai eu un petit problème avec le semoir Amazon, le 4000. Parce que celui qu'on a vu, celui que je vous ai vu, j'ai monté dans la présentation, c'est le nouveau semoir, hein, c'est celui que voilà, que j'avais sur la petite limousine. Du coup, j'ai pris un subtil qu'on avait sur la map pour ceux qui se souviennent tout au début, hein. Si je vous dis la map je sais plus le nom. Alors si je vous dis le tracteur, c'est un TM 190 chevaux couleur marron avec un subtil derrière sur la map AgriOC. Je sais plus quelle série c'était, dites-moi dans les commentaires. Ben, moi je m'en rappelle même plus, hein. Je sais que j'ai fait 100% Renault, il y a celle-ci au prix d'une ferme. Moi j'aurais bien fait du multi pour faire quelques trucs. Alors j'ai des moments, j'ai des baisses de FPS, hein. Je sais que j'ai un petit PC, mais j'espère que FPS19 sera pareil, hein. Vous avez vu le trailer, je vais pas. De toute façon, j'ai pas envie de parler du trailer. Moi je veux attendre des vraies images du jeu, plein de choses. Je sais qu'on a vu pas mal de choses, il y a des trucs que j'ai oubliés, que j'ai vu grâce à une vidéo de plein de youtubeurs. Donc voilà. Bon, j'ai fait déjà la vidéo, la photo de capture, vous inquiétez pas, hein. D'habitude, je fais deux activités en même temps, mais là, c'est un petit peu compliqué. Ça va être un peu répétitif, hein, mais bon. De toute façon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Il faut que je remette aussi sur l'autre terrain. Je croyais que c'était le terrain, mais non. Parce que j'ai un mode pour le terrain. On voit bouger un peu le tracteur. Extérieurement, non, non, non. Ouais, parce que là, je suis sur un champ qui est moissonné. Je suis pas sur un champ qui est. Je suis pas sur un champ qui est labouré ou autre. Sur un champ labouré ou autre. Hein, que ce soit cultivateur ou. Le champ serait pas plat. Bon là il bouge, c'est normal parce que là je suis en train de cultiver, donc j'aurais pas trop de rendement. J'aurais pu passer le. Ah peut-être je verrai ce que l'autre champ a. On verra bien. Donc voilà, donc on va monter tout en haut. On va. Voilà, je vais vous laisser en haut. Moi de toute façon je vais pas continuer là maintenant. Je finirai en live. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va vite, hein. On a 150 chevaux, mais on se va vite, hein.
toute façon, la nappe n'est pas très grande pour un tracteur comme ça, ça suffit. Hein. Moi, j'ai des presque 200 chevaux, hein, donc pour la map, la petite limousine pour ceux qui la connaissent. Et là, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Donc voilà, voilà, hein, je pars, je suis une vraie pipette aujourd'hui, hein, d'habitude je suis muet comme une carpe, hein, mais bon. Les expressions de vieux. Donc voilà, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer pour le live, ça sera pour le live. Donc, nous on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à voir tout ce qui est dans la description. Donc, ceux qui veulent faire un don, c'est dans la description. Vous avez mon Discord maintenant. Vous pouvez venir. Il faut vous présenter. Et il faut attendre que moi, je vous confirme. De toute façon, je vous envoie un message comme quoi. Je vous mets un message perso, pas un message perso, comment dire, un message avec le hashtag, le joueur qui était dans l'accueil, et je lui dis confirmer, c'est à dire que c'est bon, c'est confirmé, il n'y aura plus qu'à attendre que je change dans le serveur le grade pour vous mettre personne confirmée, puis après voilà, d'accord. Et après, vous aurez droit à accès aux autres salons. Vous pourrez discuter avec moi si vous voulez. Si jamais il y a des petits problèmes, vous voulez me parler personnellement, j'ai mon bureau, j'ai mon vocal qui s'appelle bureau du patron. Il y a le bureau des modos. Si je suis pas là, il y a les modos. Donc il y a un seul qui est présent tout le temps, il y en a un autre non. Donc voilà. Donc, vous avez mon Discord maintenant. Vous avez tout ce qu'il y a dans la description. Vous savez comment ça se passe le Discord. Je vous ai montré une vidéo avant. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous aimez pas, mettez un dislike. Hein. C'est pas grave, ça me dérange pas. Si vous avez envie de mettre un commentaire, vous mettez un commentaire. Comme j'ai dit, si vous avez envie de suivre, comme je vous le dis, hein, si vous avez envie de me suivre autre que YouTube, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de faire un don, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de rejoindre le Discord, vous pouvez. Voilà. Mais il faut vous présenter. Et après, attendre que le patron vous accepte. Voilà, c'est accord à corps. Voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À tous.